Salut les amis, c'est Angel Fuck. Et puis on se retrouve sur voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Far Cry 3 et Blood Dragon, épisode 5 de mon let's play, hein, Far Cry 3 et Blood Dragon. Alors l'air, elle est vraiment bizarre, sérieux. C'est pas, c'est des petits défauts. Moi personnellement, je m'en contrefous. Alors c'est marrant. J'arrive pas d'appuyer sur le bouton depuis que j'ai découvert que ça fait des fuck. Alors, je pouvais faire un truc là. Ah, je pouvais grimper, je pense, ouais. Alors, ok. Bah, moi, je propose qu'on plonge, hein. Après, je sais pas si c'est ça. Ah, des cordes derrière. Yeah! Ah, non, putain de bras. Mécanique à la cyborg. Voilà, et bah j'espère moi que cette semaine vous plaira profond de mon cœur. Parce que je prends vraiment un plaisir fou à faire cette vidéo. Aïe. C'est vraiment géant. Alors les trucs verts, c'est nos camps qu'on a capturés. Pour ceux qui me rejoignent que maintenant, je vous invite à regarder les trois anciens épisodes. Voilà. Si vous avez le temps, bien sûr. Hein. Doc, je suis prêt à tout faire péter. Comme au Québec, quand vous nous avez sauvés, mon équipe et moi, après avoir endommagé les réacteurs nucléaires de la centrale hydraulique. Je me rappelle pas grand-chose de ma vie d'avant. Je me vois jouer enfant, je vois mes parents, la deuxième guerre du Vietnam. Pardon. Bonne chance, Rex. On compte sur vous pour nous sauver à nouveau. Ok, Oh, mon Dieu ! Objectif, aller au barrage et placer les explosifs C-4000 sur les failles structurelles. Ok. Vous avez fini de parler, là ? Putain ! Les robots chiens peuvent vous sentir, même en... Il ferme sa gueule, ce petit truc. Ouais, bon, c'est bon. Là, vous lisez, hein, je suis désolé. Alors, apparemment, il y a des chiens, puisqu'ils m'ont fait chier, ces cons-là. Alors, les chiens... Non, ils peuvent pas remettre les chiens, quand même. Ok, toi tu fais moi. J'ai tué. Ouais, c'est bon. Nickel, Google. C'est quoi ce bruit de merde? Oui, alors du coup je vous parlais de je ne sais plus quoi du tout. Je lui lance des cailloux dans la gueule. Ah mais je veux qu'il se retourne. Ah là il se retourne là. Putain, vraiment con. Oh là, trop discret, ils ont même pas pu. Oh merde. Allez hop, comment il perd sa tête, j'adore. Oui, je sais même plus de quoi du tout je parlais. Enfin, je sais pas. Ah! Ta gueule! Oh non, flûle! On dirait un saucisson le truc. C'est un truc de malade. Ah putain, j'ai le nez qui coule d'un coup. Sans aucune raison. Sans aucune forme de pitié. Allez, ouh, ça fait mal. Il y a un truc juste à côté de ma gueule. Hop. Ouais. J'ai pas le temps de te dire mon nom. J'ai seulement le temps de te tuer. J'irai me coucher quand tout le monde sera mort. Oh yeah! Putain, j'adore ce jeu. Au niveau des armes, il est vraiment jouissif. Le snipe, j'adore. Le pistolet, j'adore. À que demander plus? Alors pourquoi tu... Ouais. Allez. Oh, merde. Allez, yeah! Boom. Oh putain, je l'aurais touché. Passé dans le top 10, je sais pas quoi. Hey, il parle plus là. Ça se trouve, je l'ai touché. Non, pas forcément. Allez, c'est bon. Alors, du coup, ouais, je sais vraiment plus de quoi vous parler. Ça me dégoûte. Ces connards qui parlent en même temps que moi je parle. Ah, franchement, ça me fait perdre mes moyens. Ouais, bon, du coup, c'est une salope, l'autre. Mais
L'autre, il arrête pas de parler tout ça, j'arrête là. Pourquoi Rex? Ils sont déchaînés, même sur les noms, ils sont déchaînés. Ils ont pas cherché vraiment d'histoire. Bon, regardez-moi ce saucisson! Ils sont trop moches, les amis. Ah, mais on peut leur. Ah oui, sa peau. Ouais. J'ai pris quoi là? Ses poils? Ok, intéressant. Oui, bien. Oui, bien, Wisted. Ah, mais je me disais, t'étais là. J'ai trop chien! Ah, il a Kalachnik! Un truc. Je vais me soigner. J'en sais jamais, je vais me soigner. Si ça se trouve, je vais crever. Eh, j'ai pas encore mort depuis le début de l'aventure. Enfin, depuis le début du SP, je suis pas encore mort une seule fois. Du coup, le fail ne. Mais il va la fermer sa gueule, ce robot. Ce chien. Oh putain, j'ai flippé qu'il y a un chien qui m'a attaqué par derrière. Oh, ta gueule. J'ai changé sur le pistolet là. Ok, ça. Mais c'est quoi ce bruit bizarre? Ça m'énerve, ça me fait trop flipper, je vous jure. Je vous jure, ça me fait flipper. Oh ok, allez, je vais putain d'activer leur machin là. Leur machin à la noix. Ah, il les chasse. Ta gueule! Ça va, il ne fait pas trop peur. Un chien tout seul ne fait pas grand chose normalement. Mais putain, un gros saucisson, sérieux! Ah, allez, c'est parti, let's go! Je pose la dynamite. Tu vas te fondre. Puis je me casse. Objectif presque terminé. Occupez-vous de l'autre chose naturelle. Oh. Je recharge 2 secondes en me grattant les 2 sous-bras. Non, je rigole. Bref. Ah là là là. Qu'est-ce que je peux raconter des conneries et quoi? Je les attire, hein, c'est pour les attirer. Voilà. Non, même pas. Il me fait chier un moment et il me fait plus chier là. Fait chier. Ok. Alors, je vais poser cette petite dynamite là. Celle-là, c'est et puis je vais toi, monter Spider. Comme un taré Objectif à la. Presque terminé. Occupez-vous de l'autre faille structurelle. Quel est l'intérêt? Merde! Qu'est-ce que je m'en fous de ça? Ah, un deuxième escalier. Joli d'ailleurs, joli. Je... Oui, je suis con. Ça m'énerve alors. Putain, je galère, je suis pour ça. Ok, il est dans une position chelou. Par où passer? Par là, peut-être? Logique. Non, même pas, la porte ne veut pas s'ouvrir. Ah, mais ils nous mettent un truc en haut, là. Placer les charges, ouais. Ok, mais merci, mais où? Je vais monter par là, peut-être, non? Non, c'est pas une porte, ça. C'est pas une porte, ça? Non. Si, ouais. Bref. J'ai envie d'essayer un truc. Alors, hop. Ce serait vraiment juste abusé. Non, on peut pas le faire à l'envers. Ah, mais je suis obligé de remonter ou quoi là? Ça m'énerve! Allez, déjà 9 minutes. Je sais pas si je vais faire une petite ellipse le temps que je cherche tranquillou. Parce que là, ça me fait. Ça me fout un petit peu les boules, ça me fout le stress. C'est un petit peu chiant, je vous l'avoue. Alors, ouais, je vais monter par là. Allez. Les amis, je vais me monter et puis je vais faire le campagnard. Allez, ça passe. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors là, c'est bon. Je pense être au niveau. Au taquet. Yeah! Alors, je peux tuer quelqu'un si je peux. Enfin, oui, logique. Je peux tuer quelqu'un si je peux. Je raconte que de la merde. Il y a personne. Mais il y a personne. C'est abusé. Oh, oh. Sa mère l'hypopète.
Allez, je pose la dernière dynamite et on se casse de cet endroit de merde. Objectif terminé. Explosif C-4000 placé. Prière de vous rendre à la zone de sécurité avant de déclencher l'explosion. C'est l'heure de casser la barre, comme certains. J'espère que ce nouveau C-4000 est aussi efficace que... Je vais plus bouger, alors je vais... Bon bah bye bye hein. C'est une... Ah, je peux bouger! Oh putain, non! Meurs pas, meurs pas! Pitié! Je me cache! Casse-toi! Saute pas dans le vide! Oh. Putain, je croyais que ça faisait partie de la cinématique et tout, quoi! Putain! Objectif: retrouver l'ingénieur à l'intérieur du barrage. Wow! Une tête. Ah merde non. Te cache pas, t'es... Bref, toi t'es pas mort. Là je te vise la tête, peut-être. Oh non. Putain, j'ai la collate quoi. Ah oui, c'est bon là. C'est comme ça qu'on se tue au travail. Putain, ça m'énerve. Je vais mieux me placer un petit peu. Toi, je vais te tuer. Bye bye, mon pote. J'avais un œil sur lui. Hop, t'es mort. Grosse merde. Exactement. Ah. Et la saucisse éclate. La saucisse éclate. Ok. Il est vraiment barjo ce perso. Mais bon. Alors, je vais rentrer. Il me semble qu'il faut encore que je sauve quelqu'un. J'en ai marre, hein. Toujours moi qui dois sauver les gens. Il meurt! Il meurt! Aïe! J'adore faire des voix sans vouloir. Je vous le jure, c'est un truc de mal. Aïe, non, mais il veut pas. Ah, si. Ok. Je fais le chaparder son cul, mec. Oula. Non. C'est pas très bonne idée. Oh, heureusement, je suis un mutant de la mort qui tue. Oula, qu'est-ce qu'il fait, là? Il est dégueulasse. Oh. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un cyborg, mon perso. Je croyais que c'était un truc juste pour décorer, mais non, c'est un cyborg de la mort qui tue. Putain, je suis sûr que c'est un cyborg. Je me renseignerai, mais... Un cyborg. Un genre de cyborg. Après, je sais pas ce qu'ils peuvent donner comme nom à leur personnage. Allez, hop. Hop. Attendez, je recharge. Hier, yeah, je récupérais plein de missions, plein de crédits, plein d'argent. Toi. Ta-la-la-la. Non, il m'a vu le masto. Le C4, je parle. On me fait pas chier, moi. Ah, c'était pas un masto? Ah, il ressemblait trop à un masto aussi. Tout ton petit cœur. Ok, je l'ai chapardé. Sans le chaparder. Toi, je te chaparde. Même si je savais pas ce mot existait, juste... Je savais pas que ça existait jusqu'à ce jeu me le fasse découvrir. Oh! Yeah! Fuck yeah! À la porn. Yeah! Oh putain! Allez, je vais prendre ça. Quelqu'un qui me cherche là? Rappel, lancer un cybercœur sur les ennemis pour que les dragons. Yeah! Moi le dragon, je me le fais, moi. Enfin, faut quand même que je garde des munitions. Ah, faut que je me soigne. Un truc de malade. Là. T'es pas mort, toi? Ouh, c'était mal. Là, t'en as vraiment, mais vraiment plus, quoi. Et où le dragon que je me fasse? Bon, hein. Pour le dragon. Allez, allez. Je sais pas si je l'ai bien lancé par contre.
Il y a un hélico, je vais m'en occuper. C'est un hélico ennemi ou allié? Je sais pas. Voilà. Allez, je me mets toutes mes balles. Tu crèves, mon deuxième dragon. Aïe. Ah, il veut pas crever cet enfoiré. Il y a un dragon, il s'occupe de moi. Ok, vraiment des plots de chez Flo. Par contre, le dragon, il vient pas vers moi, là c'est pas d'accord. Hop, je lui mets un petit cœur à côté. Parce que pour prouver, je l'aime bien un peu. Alors, je pense qu'il faut que je me barre. Vous savez quoi, je vais me barrer. Voilà. Je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais cette suite. Bref. Hier. Yeah. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Hop, je t'ouvre. Yeah, yeah, enfin. Je suis pas un héros. Ah mais merde, tu veux pas. Cybercommando type 4 de l'armée. Ah dommage. Vous allez devoir. Ah mais je fais chier lui. Ouais, c'est ça. Bien. Ensuite extinction des feux pour Sloan. Objectif. Protéger l'ingénieur. Ok, alors on est allié des ingénieurs dans ces. Alors je vais changer 2 secondes mon. Ah, ici j'ai récupéré des munitions. Ça m'en redonne ou pas? Oh, j'adore. J'adore ce jeu. I love it, you. Je sais pas ce que c'est. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut venir, pas de problème, j'ai envie de dire. Pour l'instant, je peux me la jouer discretos. Non, même pas. Ok. Ok, ok, ok. Miaach. Oh, j'adore. Ils mettent des armes comme ça dans un jeu, dans ce jeu, c'est vraiment jouissif. C'est bon. Faites-moi les malines, là. Oh bah lui il va pas survivre longtemps avec sa grenade. Et hop. Un masto, t'es mort. Ça je me sens invincible. Oh merde, allez, soigne-toi des. J'ai vraiment du mal avec quand je suis en feu. Je sais pas si je dois me soigner ou. Je sais pas comment faire pour éteindre les flammes sans soigner forcément en fait. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Allez, je récupère un peu de tout. Il y a deux cons qui viennent sur l'ingénieur. Je fous des ponces. Voilà. Alors, lui, il va par là. Ok, on va le suivre. Vous ne protégez plus les hommes qui sont sous votre commandement, Sloan. Les plus forts peuvent se protéger. J'ai appris durant la guerre. Vous n'avez pas assez de couilles pour gagner. On a transformé le Canada en désert toxique. Alors j'étais en conversation avec Sloan. Ok. C'est un sacré hache. Nettoyage des biotoxines mutagères au niveau -3. Nettoyage niveau -3. Alors je sais que la vidéo est plus longue que d'habitude, en même temps logiquement on est vendredi ou samedi, alors voilà, je vous laisse en profiter un maximum. J'ai encore rien trouvé.
Toi, t'as un masto ou pas? Bon, bah voilà, je te tue. Hein. Ah, il m'a pas répondu, il m'a pas répondu. Hein. Ils me font chier avec leur alarme. Fais détruire ça deux secondes. Oh shit! Tu pensais faire quoi, toi? Je me sens invincible. Sincèrement, j'adore. Oui. Yeah. Oh shit! Heureusement, j'ai gardé des munitions pour toi. Mon petit gros. Je me soigne. J'aime pas quand je suis en feu. Je me sens en danger et tout. Oh non, en plus, c'est galère à soigner. Qu'est-ce qu'il fait à courir? Il est con quoi? 3-6! Oh! Bon. J'adore! Il est où ce qu'on l'a? Il est au-dessus? Il est où ce qu'on l'a? Oui, il est au-dessus. Nous verrons bien, Rex, qui est le cyberclown ou le cyberdieu. Attends, je te suis, je m'en fous des objets par terre. Pas très important, vous me direz. Suivez l'ingénieur, ok, pas de problème. Rex, depuis qu'on t'a rafistolé avec mon programme de combat, la petite voix dans ta tête, c'est plutôt la tienne ou bien la mienne? Où est-ce que vous voulez en venir, Saul? Eh bien, il y a peut-être plus de moi en toi que ce qu'il reste de ta personne. Ou peut-être as-tu peur que je ne t'ai pas donné une raison de tuer, mais seulement une excuse. Ça a marché! C'est le pont qui mène au noyau explosé. Ok, on s'en fout. Non. Ouais, la musique. Tan 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 tan. Des petits peu de munitions. Alors je vais lâcher quand même la grosse sulfateuse. Hein. Plus ça me fait gâcher de la thune. Voilà, je m'en profite pour cet épisode. Après, promis, je la lâcherai. C'est un petit peu abusé, je trouve. Alors ils ont parlé de blagues. À jamais. Okay. Attends, je te laisse ou quoi? Oh. Oh merde. Ils m'ont bloqué. Vous devez forcer l'ouverture du bouclier avec la commande d'urgence subaquatique. N'oubliez pas, il y a des cyber croqueurs. Des cyber croqueurs? Non! Oh les enflures! J'ai pas vu ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y avait des requins. Allez, manne-toi! Oh shit, il y a des requins! Oh, il y a plein de requins! Oh la vache! Oh! Cours, nage! Il y en a encore. Allez, mène-toi, putain, il est lent. Objectif terminé. Rejoignez l'ingénieur et prenez sa main et flirtez. Ouais. Oh putain, il y avait plein de requins en bas. Vous avez réussi. Il ne reste plus qu'à pirater le système et exposer le noyau. Ok, on n'est pas juste à côté du réacteur là. Parking interdit dans la zone marron. J'ouvre les boucliers du réacteur. Ne laissez pas me tuer. De quoi, hein? Protéger l'ingénieur pendant qu'il travaille. Ok. Oh bah s'ils ont un problème, qu'ils viennent tout de suite, hein, je veux dire. En plus c'est vraiment bien d'avoir cette arme. Je vais revoir le professeur des secondes. Je reprends un petit gilet pare-balles. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, de pleurer, merde! Classe. Amenez-vous et affrontez-moi, sale tadrouille. Exactement, j'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il fait là, il croit quoi? Sauvez-moi!
Comme il s'est fait défoncer. Tiens, lui aussi. Il crève ! La vache. Oh, c'est quoi ça ? Je suis désolé, mais moi je vous tue. Hein. Bon, je suis pas désolé, mais voilà quoi. Vous allez vous faire bouffer par les requins là. Les... Oh shit. Ah bah il y avait rien de spécial. Pardon monsieur. Je m'en fous. Oh, ils font chier avec leurs cyber soldats. Venez bande de cons. Crie mon nom, salope! T'es mort ou pas? Bah tant mieux. Non, mais tu fais chier! Moi je le fais déjà. Je vais le frapper à la main. Ah bah oui. Ok, ok, hein, mais la main qui est plus fort que tout le reste. Ah, il est mort. Mais il est con aussi. Doc, je m'en suis sorti. Mais pas Benji. Désolé, Rex. C'était un type bien. C'était un vrai héros. Je suis un connard, sérieux. Et bah les amis, sur ce, je pense... C'est dégueulasse. Rex, tout va bien, pas cet afflux électromagnétique? Comme sur des roulettes, Doc. Aucun des films peut me répondre. Pas sûr, Rex. Je suis quasiment imbattable à The Bishop of Battle. Doc, jouer aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'il favorisait la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Alors là, pour une fois, je suis entièrement d'accord. Enfoiré signifie un être néfaste pour notre foi en les relations sociales. C'est un acronyme, même si j'imagine qu'on n'est plus dans un jeu vidéo. Franchement, pour une fois, je suis vraiment d'accord à 100% avec ce qu'elle a dit, la madame. Hop, je te tue. Je t'ai dit, je te tue. Oh, fais pas chier. Hey, j'ai gagné de la vie, la vache. Bon, il m'énerve. Merde, j'ai plus de balles. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Récupère-toi. Ouais. Ah bah oui, c'était logique ça. Putain. J'étais en train de cramer toi. Bon, ok. Alors sur ce les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je pense que... Je sais pas si je vais en tourner encore une, mais je pense que ça sera la dernière, parce que je sais pas, vous me direz d'ailleurs si vous en voudrez une dimanche ou samedi, je sais pas, je suis perdu dans les calculs, vous me direz si vous voulez une vidéo sur Far Cry 3 demain, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin, soirée, tout ça, merci pour vos likes, si vous en avez mis, je ne sais pas encore, mais je pense que vous allez en mettre, puisque je vous aime bien et vous m'aimez bien, parce que je, voilà, bref, voilà, je pense que vous allez kiffer. Je l'espère en tout cas. Allez, sur ce, les amis, je vous dis bye! Biatch!